sud, c'est un exode sans soupir. À Paris, les études tiennent leurs promesses d'avenir. Comme sur les photos des Kodak d'époque, la porte est caillée, l'entrée du 16 rue Saint-Jacques et les géraniums pourprés. C'est alors le mois de septembre, le soleil verse son miel en rayons, coule par la fenêtre de ma chambre et cire le parquet blond. On se moque au sortir des TD, des cols blancs d'Assas, trempant dans une rigole le café, le cul nacré de nos tasses. Cher papa, chère maman, la Sorbonne ferme ses portes cet hiver. Je tapisse ma chambre de bonne d'ouvrages qui sentent la poussière. Cette année, le quartier latin a l'air mort. Le mois de mars l'a rendu terne. Le Panthéon, l'air grave d'or. Le marbre noirci de cernes. Je collectionne les photos des Kodak d'époque. Le joyeux passé Montaigne qui fait du pied aux étudiants de la fac. Plus de fêtes, ni de bateaux, un rideau de fer, Musel, Gibert. Je me réfugie dans les livres pour survivre à cette disette de verre. Mon seul cinéma est celui que je me fais sur le mur blême de mes nuits blanches. Et les masques qui baillent, je les voudrais au théâtre à brûler les planches. Cher papa, maman, j'aime bien la bohème, mais on y mange qu'un jour sur deux. Et on n'écrit même pas de poème. Pour être artiste, faut aller mieux. Les petites notes noires sur mon bulletin serinent une méchante musique. Et niveau boulot, je ne trouve rien. Paname est une menteuse sadique. Comme sur les photos des Kodak d'époque, la porte est caillée, les géraniums ont crevé. Je dois de moi et ma clé.